Salut à tous et à tous, c'est Yael, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, les amis. Aujourd'hui, on se retrouve tout simplement pour le troisième épisode de notre série Dash Reventure Fit 16 Road to Hazard, les gars. On se retrouve donc avec une nouvelle technique. Excusez-moi sur ce début de vidéo, la qualité n'est vraiment pas bonne, mais je n'avais pas le choix parce que voilà, j'ai récupéré un gameplay, j'ai vu un problème de PC, c'est pour ça que j'ai pris autant de temps à sortir des nouvelles vidéos aussi, les gars. Ça fait une semaine que j'ai pas sorti une nouvelle vidéo. Donc voilà, je voulais vous dire ça, voilà, que bah, c'est pour ça que j'avais un problème de PC, j'avais pas trop envie de faire de vidéos. Donc voilà, là je suis de retour, les amis. Donc en tout cas, pour cette technique, j'ai utilisé la technique Fit Millionnaire, et au lieu de faire avec des joueurs de BPL comme je fais d'habitude, j'ai décidé de le faire avec des joueurs de Liga BBVA. Ça marche assez bien. D'ailleurs, je tiens à vous dire que n'hésitez pas à aller dans la description de cette vidéo, il y a le barème que vous pouvez télécharger si vous l'avez toujours pas, ou sinon la liste des joueurs de Liga BBVA. Je vous ai fait une petite liste, les gars, pour vous dire quel joueur marche. Donc n'hésitez pas à aller la voir dans la description, le lien est dans les... Donc en tout cas, voilà la technique. Donc c'est toujours la même si vous la connaissez pas. Il suffit donc de mettre des cartes, d'acheter des joueurs et puis les lister à environ 800-900 crédits plus cher que son prix initial. Donc en tout cas, comme vous l'avez vu, on a acheté des joueurs, tous les joueurs de BBVA. On a décidé de les je les ai listés une petite dizaine de fois. Et voilà, ils sont partis. Donc il y a quelques joueurs qui sont partis, 9, donc j'ai dû lister 7-8 fois. Et certains qui ne se vendent pas, donc on va relister. Et ce qu'on va faire à ce moment pour se faire plus de bénéfices quand même, on va racheter, avec les crédits qu'on avait, on a racheté des cartes. Donc on va les relister, on va tester d'autres joueurs. Je tiens à vous dire, les amis, que vu que je suis de retour, je tiens à vous dire que je vais faire une vidéo par jour de retour au programme, voire peut-être deux, quand j'aurai, si j'ai beaucoup de gameplay, etc., si j'ai beaucoup de vidéos. J'en mettrai une le matin à 6h à 7h parce que j'aime bien quand on met des vidéos très tôt le matin, style Percos, je sais pas si vous connaissez. Et puis il y en aura toujours la même vidéo qui sortira à 17h30, donc j'espère que ça va vous plaire. Je tenais à vous dire aussi, les gars, que n'hésitez pas à aller dans la description également, parce que je vais vous mettre un lien d'un tweet où vous pouvez gagner 20€ Gameoniac. Je fais tirage au sort au 30 RT, on est à peu près au niveau de 12-13, donc n'hésitez pas à aller participer, les gars. Il suffit de me follow sur Twitter et de RT ce tweet pour essayer de gagner 25€ chez Gameoniac. C'est 25€, hein, pas 20. Et je tiens à vous dire aussi que j'apporte mon soutien à tous les Belges qui regardent mes vidéos, etc. Même si vous n'êtes pas belge et que vous êtes marqué par ces attentats, et je vous apporte mon soutien. Voilà, encore un gros problème, mais bon, ça après, hein, c'est les risques, c'est comme ça qu'on ne peut rien y faire. En tout cas, on va rester sur le centre, sur FIFA un peu. Donc en tout, je voulais vous dire aussi, les lives sont bientôt de retour aussi, parce que j'ai pas pu streamer en ce moment. Mais t'inquiète, vous inquiétez pas, avec les 7 ans pour l'anniversaire de FUT, on va faire pas mal de vidéos, les amis, j'espère que ça vous plaire, avec notamment le retour d'une nouvelle série sur la chaîne, que certains me réclamaient. La carrière sera de retour très prochainement, les amis, vous verrez ça assez rapidement. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. Objectif 40 likes, c'est à 40 likes je sors le 4ème épisode, parce que je fais tourner ça vite fait, parce que une nouvelle technique. On s'approche de hasard, on finit à 50 000 crédits, c'est vraiment pas mal. J'espère qu'en tout cas, si ça vous a plu, que cette technique vous a plu. C'est à 14, prenez soin de vous, les amis. Bye tout le monde.